Salam alaikum. Bienvenue dans votre chaîne cours d'enseignement à distance. Aujourd'hui, nous allons faire les activités orales. Regardez cette image. Quels sont les lieux représentés sur cette image? Quels sont les lieux représentés sur cette image? Les lieux représentés sur cette image sont les salles de classe, les toilettes, le drapeau et la cour. Maintenant, regardez la deuxième image et dites-moi, que voyez-vous sur la sur la cette image, sur cette image? Que voyez-vous sur cette image? Je vois sur cette image une école, des salles de classe, une toilette et un drapeau. Et la cour. Maintenant, lisez avec moi ce texte. Ou bien écoutez attentivement. Dans mon école, il y a trois salles de classe et des toilettes. Au milieu de la cour, il y a le drapeau national. J'aime mon école. Dans mon école, il y a trois salles de classe et des toilettes. Au milieu de la cour, il y a le drapeau national. J'aime mon école. De quoi parle le texte? De quoi parle ce texte? Il parle de l'école. Il parle de l'école. Qu'est-ce qu'il y a dans cette école? Qu'est-ce qu'il y a dans cette école? Dans cette école, il y a des classes et des toilettes. Dans cette école, il y a des classes et des toilettes. Ou bien des salles de classe et des toilettes. Qu'est-ce qu'on trouve au milieu de la cour? Qu'est-ce qu'on trouve au milieu de la cour? On trouve le drapeau national. On trouve le drapeau national. Ou bien, on trouve le drapeau au milieu de la cour. On trouve le drapeau au milieu de la cour. Ou bien, si j'y dis, où se trouve le drapeau? Où se trouve le drapeau? Le drapeau se trouve au milieu de la cour. Alors, c'est une école. Ça, c'est une école. Les salles de classe, les toilettes et le drapeau national et la cour. Voilà les élèves, des filles et des garçons.
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un drapeau. C'est un drapeau. Que voyez-vous sur cette image? Que voyez-vous? Que voyez-vous? Je vois des toilettes, des salles de classe, la cour et le drapeau. Qui est-ce? Qui est-ce? C'est une fille. C'est une fille. Où se trouvent les deux garçons? Ces deux garçons. Où se trouvent les deux garçons? Les deux garçons se trouvent devant la direction. Devant la direction. Où se trouve ce garçon? Ce garçon se trouve près du drapeau. Près du drapeau. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ça et ça. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des fenêtres. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des portes de classe. Des portes de classe. Et ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une clôture. C'est une clôture. Où se trouve ce garçon? Ce garçon se trouve devant les toilettes. Qu'est-ce qu'elle fait, cette fille? Elle court. Il court. Des chaussures. Des chaussures. Un tablier, voilà un tablier, un tablier, un cartable, des cheveux, je répète une dernière fois là. Quels sont les lieux représentés sur cette image? Les lieux représentés sur cette image sont les salles de classe, les toilettes, la cour et le drapeau. Et tout, c'est une école. L'école, l'école. Où se trouve le drapeau? Le drapeau se trouve au milieu de la cour. Que voyez-vous sur cette image? Que voyez-vous sur cette image? Je vois une école. Des salles de classe, une toilette, un drapeau et la cour. Je vous remercie.